I am so humbled. C'est tellement encore. To be in Cameroon. Être Cameroun. I came from Kenya. Je viens du Kenya. And I thank God that I reached safely. Et je remercie Dieu pour les lieux de voyage. I am so humbled. Après, je te remercie for this opportunity. Pour une très grande opportunité. It is a great honor. C'est une très grande honneur. To minister before the servants of God. Pour que je ministre devant les très grands hommes de Dieu comme vous. May the Lord bless you so much. Que le Seigneur vous bénisse. Hallelujah. Amen. Let us celebrate the men of God in the house. Célébrons les hommes de Dieu dans la maison. Hallelujah. Amen. 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 Your life will never be the same today. La vie ne sera plus jamais la même après cette soirée. Because the Lord wants to minister to somebody. Parce que le Seigneur veut faire ministre à quelqu'un. I came along all the way here to tell somebody that your season has changed. And I am not here to entertain anybody. Je suis pas là pour vous. I am here to tell you that your season has changed. That the Lord is up to something. Hallelujah. Amen. I want us to go directly the word of God. Alors, je te donne dans la parole de Dieu. In the book of Ruth chapter 1. Dans le livre de Ruth chapitre 1. From verse 1 to 6. Le chapitre 1 à 6. Hallelujah. 1 à 6. You read first. The Bible says, la Bible dit, now it came to pass in the days when the judges ruled, that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to leave Bethlehem and come to Moab. Hallelujah. Amen. And after Elimelech had taken his family, he was the leader of the home. Il était le chef de la famille. And when they reached Moab, things begin to happen. Les choses ont commencé à... According to Elimelech, Moab was a good place. Moab était un endroit bien. It was enticing. C'était un endroit qui était bien. He saw that it was a home of rescue. Il savait que c'était un endroit où pouvait aller. He knew that when they avaient des refuges. When they reached there with their family, il savait qu'en arrivant là-bas avec sa famille, the famine will not hit them again. La famille ne pouvait plus les atteindre. But that did not happen. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Because when they reached Moab, ils sont arrivés à Moab, things began to happen. Les choses se sont passées. First of all, premièrement, Elimelech himself died. Elimelech lui-même il est mort. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Le nom and de before she could even mourn the husband. Before she could mourn the husband, Naomi could mourn the husband. Avant que Naomi pouvait pleurer la mort de son mari, his two sons also died. Ses deux fils sont aussi morts. A place where they thought would save them. Un endroit où ils croyaient avoir la sécurité. A place where they thought was a rescue place. Un endroit où ils croyaient pouvoir avoir des refuges. It turned into from a rescue place to a mourning place. C'est peut-être transformé à un endroit de deuil. They began to mourn. Ils ont commencé à pleurer. Naomi began to mourn his husband. Naomi pleurait son mari. And he began to mourn his two sons. Elle aussi pleurait pour ses deux fils. I don't know whether you came to Moab. Je sais pas si tu es venu à Moab. And now you came as a mother and you are now motherless. Et maintenant tu es venu comme une maman, mais maintenant tu es venu comme une maman. I don't know your solution. Et tu peux comme moi dire to the next solution. And now things have gotten worse. Et maintenant les choses sont plus empirées. I don't know whether. Je ne sais pas si. You left Bethlehem. Tu as quitté Bethlehem. Because of promotion. À cause de la promotion. Because of a marriage. À cause d'un mariage. But now things have changed. Mais maintenant les choses ont changé. Instead of being a rescue place. Ce sont un lieu de refuge. Moab has become a mourning place. Maintenant est devenu un lieu de deuil. Hallelujah. Amen. Tell your neighbor that you shall leave Moab today. Dis à ton voisin, tu vas quitter Moab ce soir. This is your day to leave Moab. C'est le moment pour quitter Moab. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Le nom de l'Éternel. And the Bible records. Et la Bible dit. That Naomi had. Naomi had. That Bethlehem, in Bethlehem. At Bethlehem. Where they had left. Où est son peuple? That the Lord had begun to take care of his children. Où est son peuple? That the Lord had begun to take care of his children. Pas over. La famille où Dieu quand elle avait laissé les petits. I am here to tell somebody today. Je la porte de Dieu aujourd'hui. That today is your day to return to Bethlehem. Un jour pour retourner. Because the Lord is saying that he has visited his people in Bethlehem. Il s'en fout de ce que tu t'as poussé à aller à Moab. Maybe your Moab is that relationship. Peut-être que Moab c'est ça de l'exemple. Maybe your Moab is that family that is not working. Peut-être que Moab c'est ça de famille qui ne va pas bien. Maybe your Moab is that frustration that you're going through. Peut-être que Moab c'est cette frustration que tu traverses. Maybe you have been trying salvation.
back as a widow. Elle est partie comme une mariée, maintenant elle a made a decision to return. Elle a décidé de rentrer. I am asking somebody today. Je demande à quelqu'un aujourd'hui. That for your season to change. Je prie que ta saison change. You must make a decision to return. Tu dois venir rentrer. For your Monsieur. Season to change. Que ta saison change. You must take a decision today. Tu dois faire une décision. That you may return. Que tu dois rentrer. Where you came from. Où tu es. Au point de départ. Hallelujah. Amen. Arriving at Moab. Arrivé à Moab. Arriving at Bethlehem. Elle arrivée à Bethlehem. At the beginning of the harvest. Au début de la récolte. Hallelujah. Amen. They arrived at the right time. Elle est arrivée au meilleur moment. Praise the name of the Lord. When Naomi entered Bethlehem, Judah. Quand Naomi arrive à Bethlehem, Judée. A place where she had left with his wife. Un endroit où elle avait quitté avec sa femme. He arrived at the beginning of the harvest. Elle est arrivée au début de la récolte. When you continue to read that chapter, quand tu continues avec le chapitre, you will see Naomi going to reap. And the Lord directs her. Et le Seigneur l'a visité. The Lord directs Naomi. Directs. He leads. Okay. He leads Naomi. Le Seigneur l'a dirigé. He leads Naomi to reap corn at Boaz's farm. Le Seigneur l'a dirigé pour qu'elle va récolter le maïs dans le champ de Boab. Hallelujah. Amen. And when Naomi comes back, quand Naomi rentre, hallelujah. Amen. When Ruth comes back to Naomi, the mother-in-law, sorry. Quand Ruth rentre, voit sa belle-mère Naomi. Ruth begins to tell the mother-in-law. Ruth a raconté sa belle-mère. What happened on the farm? Ce qui s'est passé au champ. And now Naomi begins to strategize. Et Naomi a commencé à réfléchir. Naomi was sensitive. Pendant Naomi était sensible. He knew this was the season of his daughter-in-law. And lay there. And wait until you hear what he shall tell you to do. When you want your season to change, you must be rightly positioned. And when you are rightly positioned, you follow instructions. Hallelujah. Amen. Am I talking to somebody? That when your season is about to change, you must be Ce n'est pas seulement faire, c'est être rightly put. Tu dois être bien
an area of possession. Alors le piège est un endroit de possession. Stand up, stand up, stand up. Alors lève-toi. Say, I am possessing my season. Je suis en train de posséder ma saison. Possessing my season. Je suis en train de posséder ma saison. I am possessing my season. Je suis en train de posséder ma saison. What the Bible says. Parce que la Bible dit, wherever we shall step, que là où je me tiens, we shall possess. Je vais posséder ça. Possess your marriage today. Ta restauration aujourd'hui. It's a season that is changing. Parce que c'est une saison qui change. I can feel the shift in the spirit. Et je peux voir. Alors va avec quelqu'un et dis-lui, va avec quelqu'un qui vient de changer. Tell them your season is changing. Ta saison est en train de changer. Hallelujah. Put your hands up and up and say, that your season is changing. Que ta saison est en train de changer. I can see the Lord anointing somebody for possession. Alors le Seigneur va t'entendre le moins de les gens pour la possession. You shall step. Et là où tu vas fouler. You shall possess. Tout changement de saison relies on a revelation. Est basé sur révélation. Naomi had a revelation. Alors Naomi avait une révélation. And he had to pass the revelation to the doctor. Et elle devait passer la révélation à sa fille. You, even if you want to be a millionaire today, si tu veux devenir millionnaire aujourd'hui, being a millionaire is a revelation. Alors millionnaire c'est une révélation. Marriage is a revelation. Le mariage c'est une révélation. Restoration is a revelation. La restauration c'est une révélation. Everything of God is a revelation. Tout ce qui vient de Dieu. Yeah.
I want to pray with people. Je veux prier avec les gens. I want to get into their season. Tu veux entrer dans les saisons. If you're there, just run here. We want to pray. Si tu te trouves là, alors I want to pray with somebody. Je veux prier avec quelqu'un. I want their season to change. Tu veux que les saisons changent. I want to pray with somebody. Je veux prier avec quelqu'un. Who is ready to go back to Bethlehem? Qui est prêt à retourner à Bethlehem? I want to pray with somebody. Je veux prier avec quelqu'un. Who is ready? Qui est prêt? Give me a new name. On fait qui te donne un nouveau nom. Give me a new name. On fait qui te donne un nouveau nom. You must return to Bethlehem. Tu dois retourner à Bethlehem. So that you can receive. Afin que tu puisses recevoir. So that the Lord may change your story. Afin que le Seigneur change ton histoire. It doesn't matter what people have called you. Peu importe le nom que les gens t'ont appelé. The Lord is giving you a new name. Le nom te donne un nouveau nom. The Lord is giving you a new name. Le Seigneur te donne un nouveau nom. The Lord is giving you a new name. Le Seigneur te donne un nouveau nom. The Lord is changing your story. Le Seigneur change ton histoire. He is removing the written code. Il est en train de faire a new thing. Pour faire une nouvelle chose. Lift up your hands. Lift up your hands. Hallelujah. Amen. Say, Lord Jesus. Dis, Seigneur Jésus. Today, aujourd'hui, I receive my revelation. Je reçois ma révélation. To change my season. Pour changer ma saison. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Pray that prayer. Fais cette prière. That the Lord may give you a revelation. Que le Seigneur te donne une révélation. Receive your revelation. Reçois ta révélation. Receive your revelation. Reçois ta révélation. That can change your season. Tu peux changer ta saison. Keep on praying that prayer now. Continue à faire cette prière. Keep on praying, call upon the Lord God. May the Spirit of God in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus.